Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc un petit bilan couture du mois de décembre. Je suis ravie de vous retrouver. Je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. À toutes ces personnes aussi qui m'ont laissé un commentaire. Voilà, merci beaucoup. Ça me fait vraiment très plaisir. Donc avant de commencer ce bilan couture, je voudrais vous souhaiter une très bonne année à tout le monde, une très bonne santé, que tout ce que vous souhaitez se réalise, que beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'argent, parce que ça aide aussi un petit peu quand même, hein. Faut pas se mentir. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année, beaucoup de couture, et puis voilà, hein, tout ce que vous souhaitez avoir, que ça se réalise. J'ai toujours mes petites notes devant moi. Donc aujourd'hui, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces à vous présenter. 8, parce qu'il y a une pièce que j'ai fait en 3 fois. Donc aujourd'hui je porte le haut Cycladine que je vous ai présenté dans mon dernier bilan couture avec le gilet. Vous vous rappelez de ce gilet, en fait j'ai pas rajouté les poches, ça va bien comme ça, pour rester à la maison c'est très bien, il tient bien chaud, donc nickel. Voilà, donc on va commencer par la veste Victoire des Bobine Patterns, donc je vous la présente plus, enfin si quand même. Mais je l'ai faite plein de fois déjà. Je m'en lasse pas parce que c'est des petites vestes qu'on peut mettre avec le jean. Je suis toujours en jean, donc moi ça passe partout et c'est très bien. Donc la veste Victoire, c'est celle-là. Voilà, bon moi j'ai pas mis de fermeture éclair, donc du livre. Hein, je crée ma garde-robe des Bobine Patterns. Donc toujours en taille 46, donc je l'ai faite avec un tissu, c'était un tissu jean, mais c'est pas un jean, jean, il fait un peu laine d'extérieur, je sais pas si vous allez bien voir, voilà, donc j'ai rajouté des fausses poches en haut, voilà, pour que ça fasse un peu plus joli. Toujours mes petites poches en bas, donc doublée. J'aime beaucoup cette doublure, elle est très jolie. Dans les tons rose et bleu. Voilà, donc les manches, j'ai fait un petit revers. Voilà, je vous mettrai une vidéo portée de toute façon. Mais voilà. J'aime beaucoup de dos toute simple. Hein. Donc je l'ai déjà portée, elle a beaucoup plu au boulot. Et moi j'aime beaucoup, je suis bien dedans. Avec un t-shirt en dessous, ça passe nickel. Voilà, je vous mettrai la vidéo portée. Mais voilà, donc c'est un jean, un tissu de jean que j'avais eu chez Dressenstoffen, il me semble. Donc voilà. Voilà. Ensuite, on continue avec la chemise, plutôt la surchemise, voire même un blouson, Bergen, du dernier Modes et Travaux. Alors, dernier, c'est le dernier hors-série. Je ne sais pas de quand il date. C'est celui-là. Donc, j'ai fait cette chemise-là.
Voilà, assez simple. Hein. Rien de bien compliqué. Donc, je l'ai fait en taille 44. Donc, elle est marquée pour initier. Ouais. Ouais, initier. J'ai pas trouvé que c'était très compliqué à faire. Donc, je l'ai faite dans un... coton comme ça, côtelé. Alors je sais pas si c'est ça s'appelle côtelé ou mille raies ou 500 raies ou j'en sais rien. Vous voyez, je l'ai fait à la surjeteuse. J'ai pas rencontré de difficultés particulières. Donc il est plus là j'ai l'impression que vous le voyez bordeaux, mais il est plus marron quand même. Donc j'ai fait les poches, donc les boutons je me suis pas embêtée, je les ai cousus là, donc c'est des vraies poches. Voilà, les poches en bas aussi. Donc fait à la surjeteuse. Hein. Pour les manches, elles étaient un peu longues, donc du coup je les ai rentrées à l'intérieur. Et j'ai fait une couture. Voilà. Donc c'est plus... je vais plus m'en servir comme blouson, je pense, pour cet été. Enfin, cet été, au printemps, plutôt. Voilà, donc derrière. Le plus compliqué, ça a été les boutonnières, en fait. Parce que ma machine... j'ai pourtant une bonne machine, mais... ça a été dur de les faire. C'est pour ça que pour les poches, je me suis pas embêtée à faire des boutonnières. J'ai juste mis le bouton comme ça, en décoration, par-dessus. Voilà, voilà. J'aime beaucoup. Et je vous mets la vidéo... portez. Ensuite, on va enchaîner sur une chemise blouse du fait main numéro 491. Alors, c'est celui-ci. Et c'est la blouse numéro 5. Alors, attendez que je la retrouve. Voilà. C'est celle-là que j'ai faite. Voilà, voilà. Donc je l'ai faite dans un tissu. Il y a quelque chose qui est tombé. C'est pas grave. Dans un tissu à carreaux que j'avais dans une box surprise de chez Dresden-Stoffen que je n'osais pas couper jusqu'à présent. Et là, je me suis lancée. C'est celui-là. Donc il est dans les tons... je pense que vous voyez la bonne couleur là. Bordeaux, c'est pas marron. Hein. C'est plus du bordeaux gris et blanc. Donc voilà. Avec les boutons. Donc c'est des faux boutons. J'ai pas fait les boutonnières. Donc je peux l'enfiler par la tête. Donc il n'y a pas de problème. Donc là, j'avais beaucoup d'embûts au niveau des manches. Je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai fait des plis. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, j'ai fait des plis. Là, j'en ai fait un grand.
je fais deux petits plis de chaque côté et un grand sur le dessus. Vous voyez ? Bon, ça passe bien. Ça passe bien. Donc pareil à la surjeteuse. Et les manches. Très bouffantes en bas. Avec un poignée de manche. Voilà, voilà. J'aime beaucoup avec les pinces là, poitrine. Dans le dos, rien de particulier, tout simple. Un dos. Voilà. J'aime beaucoup. Et là, pour une fois, je suis raccord au niveau des lignes. Je suis trop contente. Vous voyez ? Elles sont toutes bien. Trop bien. Voilà, voilà. Donc celle-là, je l'ai faite en taille 44 aussi. Je vous laisse avec la vidéo portée. Alors ensuite, le projet qui m'a pris beaucoup de temps, et comme c'était pas assez long, bah j'en ai fait deux, mais ça valait le coup. Donc j'ai fait la fameuse veste en jean de la Maison Victor, du numéro 2 de mars-avril 2022. Donc, ils mettent dans le magazine Challenge. Ah bah oui, c'est un challenge, hein, ça c'est sûr. Je fais ça. Donc, c'est la veste Aria. Voilà. Dessin technique. Voilà. Donc, ma première version. Je l'ai faite en jean bordeaux de chez Dressenstoffen. Je l'ai faite en taille 44. Et je vous la montre. C'est celle-là. J'ai pas de centre. Alors j'ai pas fait la double piqûre aux manches. Parce que j'en avais un peu marre. J'ai pas mis les boutons non plus. Bon, ça me va comme ça. Et le raccord, il est nickel aussi. Je vous montrerai porté. Les manches, elles étaient un peu longues. Donc, je fais un revers comme ça, bah, ça passe nickel. Voilà. Dans le dos. Voilà, on peut voir que... Ah bah là, c'est pas raccord. Et bah là non plus. Voilà. C'est pas grave. Moi, elle me plaît bien. Donc alors, pour cette veste, j'ai pas respecté les marges de couture. Comme d'hab. Ils disent qu'il faut mettre 1,5 cm à certains endroits pour pouvoir en fait faire la couture, comme ils appellent la couture jean. Donc, si tu fais une première couture, tu coupes le surplus d'un côté, tu replies, et ensuite, tu fais la deuxième surpiqûre, en fait. Donc, elle me va. Nickel. Donc, quand j'aurai perdu un petit peu de poids, elle m'ira mieux. Mais elle me va, je l'ai déjà mise. Franchement, c'est top. Bon, il y a des ratés, hein. Là, je vois... niveau de la surpiqûre du col derrière. Voilà.
c'est pas grave. Sinon, c'est pareil, les boutonnières, j'en ai chié. J'ai galéré. Mais bon, le résultat est pas mal, moi ça me convient bien. C'est nickel. Je vous laisse la vidéo porter. Et donc, comme je vous disais, c'était pas assez galère. J'en ai fait une deuxième. En bleu. Vous savez que le premier tissu de ma veste Victoire de Bobbin Patterns. Et ben voilà. Donc là, j'ai mis les boutons, des boutons pression. Pareil, les poches. Donc là, j'ai fait la surpiqûre. Au niveau des manches, des deux côtés, évidemment, le dos, je coupe un fil, hop, le dos, voilà, on voit qu'il y a des petits ratés. Mais franchement, bon là j'ai un peu mieux réussi le col. Franchement, moi ça me va nickel. Donc celle-là, j'ai respecté les marges de couture. Elle est un peu grande. J'ai raccourci les manches. Donc c'est mieux. Et puis voilà, quoi dire d'autre. Non, franchement... Je suis super fière de moi. Je referai très certainement. Ouais, je referai très certainement. Pour cet été, ça peut être pas mal. Et franchement... Bon, je vous avoue, c'est un peu compliqué à faire. C'est un peu compliqué. Mais voilà, pour ceux qui veulent se mettre des petits challenges pour 2023, eh ben ça c'est parfait. C'est très bien. Je vous laisse avec la vidéo portée. Donc on se retrouve pour un autre projet. Donc qui vient encore de la maison Victor, le dernier numéro, le tout dernier parce qu'il n'y en aura pas d'autre. Donc c'est celui-ci. Et j'ai fait le top frilled. Alors, le top. Vous voyez, j'ai mis des post-it un peu partout là. J'ai plein d'autres projets que j'aimerais bien faire. Donc le top frilled, c'est celui-là. Le dessin technique, c'est celui-là. J'ai beaucoup aimé là l'autre morceau. Voilà. Donc, je l'ai fait en taille 44. Donc, c'est celui-là que j'ai fait en trois fois. En fait, j'avais du tissu de chez Dressenstoffen, je pense.
qui date d'il y a longtemps, mais c'est du tissu que j'ai dû avoir dans une box parce que je me souviens pas d'avoir acheté ça. Donc, celui-là. C'est chiant cette lumière jaune à chaque fois là. Donc celui-là, donc je l'ai fait en taille 44. Il est franchement super facile à faire. Ouais. Ils mettent niveau, je vais vous dire ça. C'est au début. Donc difficulté 1 sur 4. Ça va de la taille 30 à 48. Franchement, il est super facile à faire. Donc je l'ai fait en bleu marine comme ça. Je vous mettrai la vidéo portée. Et dans le même tissu que j'avais en bordeaux, et j'avais déjà fait un haut. Je vous l'avais présenté, vous savez, où il y avait trois petits plis sur le côté là. Donc il me restait du tissu. J'avais pas envie de faire trois fois le même. Deux fois du bleu marine et une fois en bordeaux. Donc j'ai mélangé les couleurs. Vous voyez ? Bon, ça rend pas mal, hein. Donc là et là. Voilà. Je récupère ma chaise. Donc les manches toutes simples, hein, j'ai fait qu'un rentré d'un centimètre. C'est du tissu qui ne s'effiloche pas, donc nickel. Par contre, je ne saurais pas vous dire ce que c'est comme tissu. Il est extensible, voilà, dans les deux sens. De plus près, je ne sais pas si vous allez voir. Non, vous n'allez pas voir. Ça donne ça. En bas, pareil, à rentrer. Là, j'ai fait un double rentré d'un centimètre. Donc voilà. Tout simple, très simple. Et je trouve qu'il fait son petit effet avec la petite découpe là devant. Je vous laisse avec la vidéo portée. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà, pour ce petit bilan couture du mois de décembre. Il n'y a pas beaucoup de pièces, mais il y en a deux grosses qui m'ont pris beaucoup de temps, quand même. Les deux vestes en jean, elles m'ont pris pas mal de temps. La veste Bergen aussi. J'ai mis du temps aussi à la faire. Mais voilà, c'est des pièces très bien. Ça me plaît beaucoup en fait. Voilà. Bah écoutez, pour ma prochaine vidéo, ça va être un haul. Un haul Benitex. C'est ma première commande chez eux. Il y avait des promotions. Donc j'ai acheté quelques coupons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Ça va. Je n'en ai pas eu pour très cher, pour 10 coupons. En plus, c'est des coupons de 3 mètres à chaque fois. Enfin, à chaque fois. Sauf 2. Et... Donc voilà. Donc prochaine vidéo. Normalement, je devrais recevoir la commande mardi 3 janvier. Elle arrive au point relais. Donc j'espère aller la chercher mercredi. Et vous tournez la vidéo dans la foulée. Quoi vous dire d'autre? Bah rien. Je crois que je vous ai tout dit. Ouais. Donc là, je suis en préparation d'une veste Kaline. Toujours de la des bobines patterns. Voilà. Moi, j'aime bien refaire les patrons. Ça me dérange pas. C'est pas les mêmes tissus, donc on voit pas trop que c'est la même chose en fait. Quand je suis sûr d'un patron, voilà, pourquoi changer pour quelque chose qui m'irait peut-être pas. Donc voilà, là au moins je suis sûr. Là j'ai fait une autre veste aussi du magazine Fait Main. Voilà, voilà, pour l'instant c'est tout. Donc je vous dis à très bientôt. Dans ma prochaine vidéo haul. Et je vous souhaite encore plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Voilà, tout ce que vous souhaitez. Plein de coutures. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye, à bientôt.